Hop là. Waouh. Qu'est-ce que je fous encore là? Bon. Bah, j'espère que vous allez bien. Du coup, moi, oui. Je sais pas si vous avez suivi, mais hier, j'ai sorti une vidéo où, en gros, je fais comme avant. En gros, je me prends plus la tête, je suis là, je me pose, je parle avec vous comme si vous étiez mes potes, mais vous êtes mes potes. C'est pas comme si vous étiez, vous êtes mes sahab. Du coup, on va faire tout comme. J'ai décidé d'appeler ce concept fast time. Voilà. Parce que tu vois, quand tu fais un fast time avec ta pote, c'est comme ça. Donc, dans ce concept-là, vous me verrez jamais fraîche. Vous me verrez jamais apprêtée. Vous me verrez toujours comme une clocharde. Parce que quand je suis en fast time avec mes potes, je suis toujours comme une clocharde. Donc, je vois pas pourquoi là, je viendrai m'apprêter. C'est pas le but. Mon daron, il met la télé fort comme s'il était au cinéma. J'espère que vous attendez pas. Parce que moi, j'entends, j'en peux plus la nuit. Je dors très mal la nuit à cause de Ada. J'espère que vous, c'est pas votre cas. Ensuite, mes cheveux. Bon, bah, on calcule pas. Voilà. Donc, franchement, j'ai pas de but aujourd'hui. J'ai pas de sujet particulier. Par contre, je voulais vous parler d'un truc. J'ai vu comme quoi ils voulaient couper l'électricité. Je sais pas si c'est une rumeur, c'est une fake news, mais il y a intérêt. Parce que je vais me zarafu sinon. À Skip, je sais pas, ils veulent enlever l'électricité, je sais pas quoi pour. Je sais pas, ils veulent faire des économies sur notre dos. On est encore les pigeons de la société. Je comprends pas en fait. J'ai pas compris. Comment je charge mon téléphone moi? Comment je mange? Non, parce que les plaques, c'est avec l'électricité. Comment je filme des vidéos? Ring light, frère. C'est avec l'électricité. C'est quoi ce délire encore? C'est quoi ce délire encore? Merde. Merde. Voilà, donc j'ai vu ça. Donc dites-moi en commentaire si vous avez plus de précision, plus de faits à dire. Mais je trouve que c'est toujours nous, les bolos, qui devons faire des concessions. Vous croyez Macron, là, chez lui, il y aura l'électricité qui va être coupée? Bande de naïfs. Bande de naïfs. Moi, je vais bien voir à l'Elysée, là, si les lumières, elles sont éteintes. Je vais regarder, là. Par contre, leur décoration de Noël, là, on en parle ou pas? Non, parce que dans ce cas-là... De quoi? J'arrive. Désolée, c'est ma mère, m'a dit il y a une soirée Soul King. Elle l'aime bien juste parce que c'est un Algérien. Je sais pas si vous aussi, moi c'est mon cas. Sans des aides, du coup, bah forcément je l'aime. Non, en vrai, je vous parlais des décorations de Noël. Non, je veux bien qu'on fasse des économies sur l'électricité, je sais pas quoi, blablabla. Y a pas de problème. Les décorations de Noël, frérot. Ça sert à rien, on s'en bat les reins. Non, je suis d'accord, Noël c'est sympa, c'est joli, marché de Noël et tout, c'est cool. Mais ça, on peut s'en passer. Faites des efforts sur ça déjà. Vous venez nous casser la tête, vous venez nous chez nous, ça veut dire même chez toi, t'es pas chez toi. Même chez ta mère, t'es pas chez ta mère. C'est fou ça. Je paye le loyer pourquoi si je peux pas faire à manger chez moi, frère? C'est quoi le délire là, si je peux pas charger mon téléphone chez moi? Je vous jure que si j'avais mon appartement, la tête de ma mère, que j'enlève, salam alaikum l'appartement, je retourne chez mes darons. C'est quoi le concept? J'ai pas compris. Bref, ça m'a énervé. On arrête de parler de ça, de toute façon j'en ai rien à foutre de la politique. Je pense que vous le savez. Ensuite, mes cheveux, je peux plus me les voir. Voilà. Je vous l'ai dit dans mon autre vidéo, ça demande beaucoup trop d'entretien. Mes cheveux, comme vous voyez, ils frisent. En fait, ils sont bouclés aux racines. Je dois avoir au moins ça à refaire. Bah, franchement, j'ai pas que ça à faire. J'ai pas le temps. Et là, tu voyais, c'est bien lisse, bien truqué. Pourtant, il y a l'eau qui touche et tout, mais ils veulent en savoir, genre. Bref, mais. Hop, hop, hop. Bref, du coup franchement j'aime bien ce concept de venir comme ça parler avec vous sans but précis. J'aime bien, voilà. En fait j'avais pensé à avoir des buts précis pour les prochaines vidéos, genre avoir un sujet en particulier et j'en parle à foison. Déjà je voulais parler des fake friends. Je fais beaucoup le sujet de... Enfin je connais énormément ce sujet dernièrement. Voilà. Ensuite de quoi on peut parler? Bah, on peut parler de notre rapport au corps. Voilà, parce que... Vous avez vu? Bref, du coup, je vous avais dit que j'avais grossi, mais je suis pas allée plus loin que ça dans l'autre vidéo. Donc du coup, oui, j'ai grossi. Voilà, ça me fait mal de le dire. J'ai grossi. Non, je n'ai pas grossi. Bah écoutez, c'est la vie, c'est comme ça. Voilà. De toute façon, je me suis fait à l'idée que je resterai grosse à vie. C'est bon, je le sais, on m'a donné... Dans ma tête, je me suis jamais imaginé mince. Il n'y a que dans mes rêves. Je sais pas si vous aussi, mais dans mes rêves, à chaque fois, je suis archi bonne, sa mère. Je suis waouh, je suis incroyable. Je suis incre. C'est un truc de ouf. Je mets des mini-shirts et tout. Hein.
Attention la poufiasse que je suis. Je suis une cette kahmette. Ah, dans mes rêves. Voilà la kahmette que je suis. Mini short, ni mettre moi mon huc. Et je suis extra bonne. Hein. J'ai des bzzzules comme ça, un cul comme ça. C'est incroyable. Incroyable. Ça là, on sent que j'ai. J'espère que j'ai des poils là, ma mère, j'espère que vous n'avez pas calculé. L'ensemble que j'ai, c'est un ensemble de chez Shein. Je sais pas faire de Shein, j'ai une voix de pétasse, ça va falloir que je me pose des questions. Franchement, je l'utilise en pyjama, je sortirai jamais dehors avec. Voilà, non, comme ça, au moins c'est dit. Non, c'est fait, c'est dit. J'ai regardé les commentaires de la dernière vidéo. Apparemment, ça vous a plu, donc je suis grave contente. Parce que franchement, c'était le but. Après, je sais pas si elle va continuer à vous plaire, on verra bien demain quand je vais me réveiller. Parce que là, encore une fois, il est plus de 23h. Je sais pas, c'est à 23h que j'ai le petit truc. C'est vers 23h que j'ai le... J'ai le mouvement. J'ai le... Non, franchement, si je vois que ça vous plaît pour de vrai, que franchement, ça marche et tout. Moi, franchement, limite, je vous fais ça tous les jours. Hein, ça me dérange pas si je dois juste me poser comme ça et parler avec vous. Voilà. Dites-moi si vous préférez ce format-là. Ou si vous aimeriez avoir des lives sur YouTube. Parce que les lives, du coup, je peux les laisser comme ça, en fait. Les gens pourront les regarder, pardon. En diffusion, en rediffusion pardon, donc je trouve ça cool. Bon du coup je suis désolée, mon téléphone là, il s'est ramassé la gueule par terre parce que du coup j'ai pas de trépied, je l'ai foutu comme ça, enfin j'en ai un mais j'avais la flemme. Là je suis juste venue, voilà, comme l'ancienne vidéo, je viens. Là vous m'avez cru moi, alors comme talent vous avez moi, c'est tout, il y a ni le montage, ni ce bel. Attendez pause, j'ai fait une constatation. Là j'ai grossi et tout, vous avez remarqué que j'ai grossi, d'accord. J'ai remarqué, vous avez remarqué, mon daron il a remarqué, ma daronne, tout le monde il a remarqué, bref. Mais ça tombe à un moment de ma vie comme par hasard quand je suis bien, quand je suis heureuse. Ça j'ai remarqué à chaque fois, mais quand je suis avec mon mec actuel là, que je bouffe, que je grossis, que je... Mais ça c'est bon signe d'un côté, c'est-à-dire que je suis bien dans ma life, que je suis bien dans ma tête, tout il va bien, alhamdoulilah, merci mon Dieu. Mais frérot, ça va pas bien pour mon corps là, ça va pas du tout pour... l'état de santé de mon corps, l'état tout court de mon corps. Même mon corps, il se dessèche. Wallah, je vous montre mon corps là. Je vous montre ma jambe, elle est grise. Je fais un morpion là, tout de suite. Je fais un morpion. Ensuite, non, franchement, j'ai une peau de crocodile, c'est un truc de ouf. Hein. Non, franchement, si je vous montre, moi, ça me choque. Là, je suis en train de regarder, je me dis. Morgane là, faut faire haja là, mets de la crème, ma cousine. Bref, je m'étale. On parle du poids là, pas de. Ouais, je fais que de bouffer. Je bouffe, je bois, je bouffe, je bois, je bouffe, je bois. Mais en fait, dans la vie, c'est quoi en fait? Faut avoir le cœur brisé. Faut être pas bien. En fait, si tu veux être bonne, voilà. Une astuce pour être méga fraîche, faut être malheureuse. Non, c'est tout. Malheureuse, cœur brisé, faut qu'on t'ait trompé, faut te faire du mal, du sale. Faut qu'on t'ait fait du sale. Parce que moi, j'ai remarqué, là, mes copines, à chaque fois, on leur fait du sale. Hein. Après, elle glow up sa mère. C'est une dinguerie. Moi, que je m'écrase au sol. Plus le temps passe, plus je suis moche. Voilà. Plus le temps passe, plus je suis dégueulasse. À un moment donné, c'est bon. C'est bon. Pourquoi c'est pas le contraire? Pourquoi c'est pas quand on est heureuse qu'on est fraîche? Pourquoi c'est quand on est malheureuse qu'on est fraîche? On glow up que quand on est malheureuse, que quand on nous met dans les fesses? Non? Non, moi je veux inverser la tendance, putain de merde. Eh, j'ai trop de gros mots. Ah, YouTube va me. Hein, il va s'affronter contre moi. Ah, ouais. Déjà, je suis pas son pote là. Ils font exprès de pas me mettre dans les suggestions là. Moi, j'ai pas cramé. Moi, j'ai cramé. Hein. J'ai vu votre vice. J'ai vu. Juste, je dis rien parce que je suis pas dans ça. Je dis rien parce qu'en fait, je suis pas dans les problèmes. Ils me boycottent, je sais pas c'est quoi leur problème. Pourtant je parle pas de politique, je parle pas de religion, je comprends pas ce qu'on leur délire là, mais enfin si des fois ça m'arrive. Bon, si je suis mytho, je l'ai déjà fait. D'ailleurs je vais arrêter de faire mon gosier là parce que me casse ma gueule à un moment donné, je vois les gens ils gagnent leur vie, moi je gagne pas ma vie. À un moment donné, je fais quoi? Je fais la charité, le reste du cœur, c'est quoi le délire? Non, après moi je kiffe, vous-même vous savez, de toute façon j'ai pas besoin de prouver, j'ai pas besoin de dire quoi que ce soit, de me justifier. Vous me connaissez très bien. Je parle surtout pour les nouveaux, hein, parce qu'ils vont croire, ah, elle est là pour l'argent. Non, c'est pas vrai, mais à un moment donné, si je peux avoir le petit bonus, qui va dire non? Pas moi. Voilà. Donc les restos du cœur, c'est sympa. La Croix-Rouge, c'est sympa. Et ben, quand même, la charité. L'aumône. À petite dose, quoi.
De temps en temps, page 24. C'est bon. Non, de toute façon, je vous ai dit, les marques, elles veulent pas me caler. Je sais pas c'est quoi leur problème. Qu'elles essayent de me faire comme ça. Non, mais on vous envoie ça gratuitement. Non. Moi, faut me payer. C'est bon, j'en ai marre. En plus, ça reste pas pour faire la meuf, mais j'ai des abonnés grave fidèles, c'est-à-dire les gens. Quand je leur dis ça, c'est bien, elles me croient. Elles me croient. Ouais, si, si, dictionnaire, français. Plus que vous me croyez. Parce que vous-même, vous savez. C'est-à-dire vous allez acheter. C'est-à-dire que moi, je vais leur apporter de l'argent, mais ils me donnent pas d'argent. Juste, tu m'as donné un truc gratuit. Je m'en fiche. Je m'en fiche. D'accord? Je n'ai rien à faire. Non, non, c'est bon. Moi, je. Comme ça. Par la tête au-dessus. Voilà. Ma belle là. Pourquoi pas en vrai? Donc, là, je suis insupportable. Je me déteste. Quand je fais des trucs comme ça, de ma belle. Ma belle. En fait. J'ai envie de me frapper, j'ai envie de me défoncer quand je fais des trucs comme ça. Ah, j'ai envie de m'éclater ma gueule. Vraiment. Genre, vraiment. Alhamdoulilah.